Depuis 1993, un programme de réintroduction du gypaète barbu a été mis en place dans le Mercantour et le Parco Alpi Maritime en Italie. Sur le terrain, le suivi des animaux fait partie intégrante du projet de réintroduction. Un réseau d'observateurs a donc été mis en place dans le parc comme partout en Europe. François Breton, garde-moniteur en secteur Ubaye, en est le responsable. En hiver, au mois de janvier, c'est la période de ponte pour le gypaète. Dans le cadre du suivi de l'animal, François et ses collègues garde-moniteurs du secteur Ubaye doivent surveiller si les gypaètes sont présents sur les sites de nidification. Après 3 heures de ski de randonnée, les voilà arrivés sur un des points d'observation de l'aire du couple d'oiseaux. La femelle, a priori, ça serait Rour, oui. qui a été lâchée en 2000 ou 2001, je ne sais plus, dans le Mercantour. Mm. Donc ça, par la génétique, ça fait plusieurs années qu'on trouve des plumes d'elle. Oui, d'accord. Et le mâle, c'est Renault, pareil, lâché dans les années 2000-2001 dans le parc Alpi Maritime. Vous voyez l'air, là, on l'a trouvé en 2006. Ben en fait, on avait déjà les oiseaux, mais qui paradaient tout en bas, au Châtelet. Là. Ouais. Et ils nous avaient fait un transport de branches. On ne trouvait pas d'air, on ne savait pas. Mystère. Et puis un jour, on est monté avec Jo ici. Un jour, il pleuvait. On a vu un gypaète qui est passé avec une branche, qui s'est enfilé dans le vallon. Ouais. On s'est dépêché de monter. Et on a trouvé ce c'était un vieux nid, mais qui n'était pas recensé. Les aigles, c'est trop pour les aigles. Ouais. Et ça n'avait pas dû être occupé depuis un siècle. Ouais. Ils ont choisi un coin assez hallucinant, à 2600 mètres d'altitude. C'est exposé nord-est. Ça ne prend pas du tout le soleil de la journée en hiver. 0 minute de soleil. Après, au printemps, il y a une demi-heure, une heure de soleil le matin. Et ils sont là-dessus. À couver. Bon, aujourd'hui, apparemment, c'est pas le cas. Mais c'est tellement austère ici qu'il n'y a que le gypaète qui vit en hiver. Hein. C'est un peu ça. Hein. Il n'y a que qui résiste. Malheureusement, on n'a rien vu. Il n'y a pas de ponte pour l'instant. Je rejette un petit coup d'œil. Non, il n'y a rien, c'est sûr. Hein. Et on va se rentrer. Hein. C'est un peu désespérant, là on n'a rien vu. Pas d'adultes, pas d'oiseaux en vol. Il faut attendre pour essayer de trouver la date de ponte le plus précisément possible. Gypaète est le rapace le plus rare d'Europe. Adulte, son envergure est de 2,80 m pour un poids de 5 à 7 kg. Il doit son surnom de casseur d'os à la spécificité de son régime alimentaire, car ces oiseaux se nourrissent essentiellement d'os prélevés sur des squelettes de ruminants domestiques ou sauvages. Outre son comportement alimentaire surprenant, si son plumage est de couleur orangée, c'est parce qu'il se baigne dans des boues ferrugineuses. Les gypaètes vivent en couple ou en trio. Dans le Mercantour, on les trouve en haute montagne, nichant dans des falaises. Au cœur de son territoire, chaque couple possède un site de nidification abritant plusieurs aires. La reproduction du gypaète est compliquée et incertaine. Depuis le début du programme de réintroduction de l'animal dans le Mercantour, une seule naissance en pleine nature a réussi. Tous espèrent qu'aujourd'hui, les efforts entrepris vont commencer à payer. Six mois plus tard, la reproduction a réussi. Un jeune gypaète est prêt à prendre son envol. François et Jo du secteur Ubaye sont là pour parer à toute éventualité, tout problème qui pourrait arriver à l'animal. Donc là, on est un peu fébrile, on attend ça avec impatience. Parce que c'est des journées d'efforts, de surveillance. Déjà derrière, il y a tout le programme international des gens qui travaillent depuis 1986 hein, sur toutes les Alpes.
pour réintroduire cette espèce. Et puis ben, nous, au quotidien, dans notre travail, quoi, on passe des journées, comme quand tu es mis en hiver, voilà, des journées à attendre, à surveiller, à s'assurer que tout va bien pour arriver au résultat d'un envol. Aujourd'hui, on fait notre observation de suivi. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on respecte toujours une bulle de tranquillité autour du nid de 700 mètres, d'un rayon de 700 mètres. Voilà, on ne s'approche pas plus pour ne pas déranger les oiseaux. Le poussin, aujourd'hui, il a à peu près 114 jours. Donc on attend le grand moment, le moment où il va s'envoler. Et ça, c'est précieux. Ouais. Alors chez le gypaète, hein, mâle et femelle participent à la couvaison, ils se relaient, participent au nourrissage. En tout cas, il y a un des oiseaux, on a remarqué, qui est plus attentionné, qui vient plus souvent sur l'air. Souvent, l'envol du jeune, c'est un simple accident, en fait, parce qu'il ouais. passe des grands moments à battre des ailes au bord du nid. Il suffit qu'il se déséquilibre un peu tout seul ou une rafale de vent, et hop, il se retrouve dans le vide et il est obligé de voler. Apparemment, c'est quelque chose qui doit l'angoisser depuis un moment, il regarde le vide. Il se demande s'il est capable de voler comme ses parents. Les premiers jours, en général, ils ne trouvent pas des perchoirs de qualité, donc ils peuvent être vulnérables à cause des renards, des chiens. Ils peuvent se faire mordre, c'est déjà arrivé. Donc c'est un moment où il faut quand même surveiller attentivement ce qui se passe. Après l'envol, on va déjà suivre l'émancipation du jeune pendant le mois qui suit l'envol, hein, s'assurer qu'il va bien. Il va rester sur le site environ un mois, deux mois. Petit à petit, il va s'émanciper, il va élargir son rayon d'action pour chercher à manger. Et quand l'automne arrive, après septembre, octobre, novembre, les adultes, le couple d'adultes installés ici, ses parents vont le virer pour commencer une nouvelle saison de reproduction. Pendant 5-6 ans, il va se promener dans les Alpes. Parfois plus loin, on a des gypaètes qui sont allés dans le nord de l'Europe se promener. C'est son adolescence avec des voyages initiatiques. On espère qu'il reviendra par ici, s'installer. De toute façon, on sait que les oiseaux là, du couple, par exemple, c'est des oiseaux qu'on a lâchés dans les Alpes du Sud. C'est ce qu'on a. Il y a une certaine philopatrie. La philopatrie, c'est un jeune oiseau, quand il est adulte, est-ce qu'il revient ou non dans la région où il est né ? Pour s'installer. Alors leur critère, c'est certainement déjà la ressource alimentaire. On sait qu'ils se mettent dans des endroits où il y a suffisamment à manger, chamois, bouquetin, ils aiment beaucoup les zones où il y a du bouquetin. Alors ce qui est intéressant, c'est que la situation bouge un peu sur le parc du Mercantour. Depuis quelques mois, donc on a cet oiseau, un adulte solitaire, qui s'est mis à construire un nid. C'est une situation un peu très inhabituelle. Hein. Je ne crois pas que ça avait été observé ailleurs. Un adulte tout seul qui construit son nid. Et c'est un oiseau, on sait que c'est un oiseau lâché puisqu'on a pu observer une de ses bagues. Et ouais, c'est une situation assez inédite. Probablement, il s'agit d'un mâle qui construit le nid et qui attend une femelle, mais la femelle n'est pas arrivée, donc ça n'a rien donné. Au niveau effectivement de sa place dans l'écosystème, c'est vraiment l'exemple type de l'espèce parapluie, c'est-à-dire que quand il est présent, ça veut dire que dessous, il y a un écosystème qui est très riche, qui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on a des ongulés, on a tout. Il arrive au sommet de la pyramide, c'est un recycleur. Comme tous les vautours, il est strictement charognard. Il n'est pas capable, il n'est pas équipé pour tuer des animaux vivants. Hein. Donc voilà, il y a plein de frémissements qui nous donnent de l'espoir. Pour que vraiment un jour on ait rapidement maintenant une petite population de gypaètes qui s'installe dans les Alpes du Sud.